Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en costume carton, sans regarder de vidéo, juste à la mémoire. Non, en vrai je vais pas mettre en costume carton parce que c'est beau mais c'est embêtant quoi. Ça, on va mettre là, ce sera plus simple. Et la tête on va mettre ça. Voilà comme ça. Non, en vrai un truc qui va bien avec le jackpot. Ça va bien avec le jackpot. Et une date qui va bien. Ça, c'est pas mal, non? La couleur sur les côtés. Ouais, la couleur. Ça lui va pas du tout. Là, je vais partir sur. Oh, quoi que. Ah! Je prends ça. Parce que celui-là, je l'ai récolté durement. Allez, je me casse. Il est beau mon costume carton. Ah bah il arrive que j'ai déjà fait. Toutou. Alors pousse-toi le canapé là. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va faire les quêtes du détective. Eh ouais. I love my life. Allez, on quitte. Je rigole. Non, c'est juste pour avoir les quatre de détective que je fais ça. Bah oui. Parce que sinon, je les ai pas, moi. Bah oui. Eh bien, pour ça que moi, c'est déconnecté. T'as coulé ou quoi, toi? Ce qui est pratique avec cette maison, c'est que t'es à côté de tout. Genre, même cette maison, elle est plus utile que la Villa de Luxe, la 1500 balles. Bonjour. Ah. Parlez-moi. Du missing cheese. Je sais où il est, je sais où il est. 100%. 1000%, je sais où il est. Sans regarder les vidéos. Bah, je fais pas des livres à la preuve. Je me rappelle de ça. Après, je sais pas comment faut faire, mais je me rappelle de où c'est. Déjà, je crois qu'il y a des pattes de fromage. Il faudra suivre ces traces de fromage. Parce que dès que j'ai déclenché celle 4, donc là maintenant c'est déclenché, il y aura des trucs de fromage là, des petites pattes. Il n'y en a pas. Ok, étrange. C'est là, regardez, 100% c'est là. Ah! Alors celle-là, je l'aurais pas vu venir, hein. Ok les gars, je l'aurais pas trouvé. Hein. Là j'ai regardé une vidéo, je l'aurais pas trouvé clairement. Alors il faut aller pas là. Je suis désolé d'avoir regardé une vidéo, mais j'aurais vraiment pas trouvé ça. Hein. Surtout que j'ai regardé que le début. Hein. Donc là où vous commencez la quête. Le reste j'ai pas fait. Alors. Je t'explique pourquoi il n'y a pas l'étoile. Alors, oui mais non, hein, parce que là je suis censé pouvoir lui parler à lui. Hein. Oh comme ça bug. En fait c'est juste moi qui ai gogol. C'était pas ici qu'il fallait aller. Je veux toujours tout faire trop vite moi. En plus j'ai bloqué ma voiture. Allez on y va à pied. Non, toi tu me donnes ta voiture. Vous allez voir le ragdoll il va être trop drôle de regarder. Ok. Normalement c'est pas censé faire comme ça mais ok. Moi tu es censé l'éjecter la voiture comme dans GTA tu vois. C'est à elle qu'il faut parler. Elle toujours... Ok par contre là c'est vraiment bugué parce que normalement c'est à elle que... Ah c'est bon. Et voilà, et à partir de maintenant, faut faire miette, miette. C'est-à-dire faut suivre les miettes de fromage. Et maintenant, je vais tout faire avec vous. Là, faudra parler à chaque PNJ, genre là, faudra passer à Monsieur Gros Sourcil. J'appelle comme ça. Il est là.
Faut toujours suivre les traces. Là, je crois qu'on va à l'Ego Pizzeria. Ah non, d'abord les pompiers. Ah non, pas du tout. Ok, go to pizzeria alors. Ce sera plus rapide. Ah non, ah c'est bon. Faut parler à lui. Mais il demande un travail. Moi je vais pas travailler. Ah, c'est là où j'ai dit 100%, 1000%, 1 milliard de pourcent. Là, s'il me dit encore que la porte est verrouillée à clé, I don't comprendre. Ouvre la porte. FBI, open up. Souris wobbly. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as dit quoi? Et là, je dois retourner dans la station. Imaginez, on débloque un costume fromage. Ça serait drôle quand même. Imaginez. Oh, je tape des drifts. Je suis trop fort. Ou pas. J'avoue, ou pas. J'arrive, monsieur, j'arrive. C'est bon, j'ai résolu le mystère. C'était un wobbly souris qui bouffait tout le fromage. Donnez-moi un tonneau! Oh! T'as eu une souris! C'est trop beau! C'est faux, c'est trop moche! Ça, c'est fait! Voyons voir ce qu'est la prochaine enquête. Rebonjour! Je sais, j'ai un sourire sur la tête. Quelle est la prochaine enquête? C'est l'enquête du chat. Très bien. J'y vais, monsieur. C'est au village, oui, je sais, il n'y avait pas besoin de me dire que c'était au village. Je la connais par cœur, cette enquête. Est-ce que tu traverses ou pas? Vas-y, go traverser. Ah! Oh, le front flip que j'ai fait! Incroyable! La caisse, elle a fait un front flip. Je suis trop chaud. On va voir le PNJ de tout à l'heure. Oh, il y a un cadeau! Je vais par hasard, ça. FBI, open up. Vous allez vous déranger, c'était pour le cadeau. 85, même toi, il a été bien caché, lui. Hein. J'avais même pas remarqué qu'il était là. Premier degré, j'avais pas remarqué. La madame, elle est où? Ah ouais, la moche. Regarde. FBI! Là, faut mettre des croquettes. Non, mais pousse-toi la voiture. Alors c'est elle, la grand-mère. Faut trouver son chat qui est dans les arbres. Alors déjà, faudra mettre des croquettes. Je vais mettre des croquettes pour chat. Je vais mettre des croquettes pour le chat, ça va l'attirer le chat. Olé. Allez, go magasin. C'est des petites croquettes. Ça va attirer. Il va venir et ils vont me donner une tenue. Technique pour avoir un max de tenue. Acheter des croquettes pour chat. C'est toi qui le vends? Céréales. Est-ce que le chat, ça mange des céréales? Ah, cat food. C'est là. La première fois de ma vie que j'ai dépensé 10$. C'est comme si j'avais dépensé 0, vous allez me dire pourquoi. Bah parce qu'il y avait la quête du Jelly que j'ai fait au tout début.
qui ne m'a absolument rien apporté de mon aventure, à part deux costumes au premier épisode. C'est-à-dire le tout premier et l'autre, là où j'avais ma petite chemise, là. Ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai tellement de tenues que chaque épisode, je peux les changer, les tenues. Parce que genre, il y en a, ils gardent la même tenue pendant extrêmement longtemps. Genre, moi, j'ai gardé la même tenue pendant 3 épisodes. C'est-à-dire celle avec le jelly, le t-shirt trop long et le pantalon de course. Je l'ai gardé 3 épisodes, il me semble. Donc c'est beaucoup, 3 épisodes. Madame, j'ai de la nourriture pour chat. J'ai dépensé 10$. Donc récompensez-moi d'un truc, s'il vous plaît. Quoi? Il faut la mettre là, la nourriture pour chat. Eh oh madame! Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais j'ai bien la quête, hein! Bah oui! Madame! La grand-mère elle est immobile, on dirait qu'elle veut me buter. Je vais me regarder avec des gros yeux. À l'époque, je vais retourner au commissariat parce que ça a bugué. Parce que la madame, là, elle me fait peur, elle me regarde avec de gros yeux. Je lui ai ramené tout pour ramener son chat, elle me regarde, elle me quitte pas les yeux, elle me fait peur. C'est une momie ou quoi? J'ai pas envie d'avoir une momie, moi. Madame, vous faites flipper, je me casse. Mais c'est vrai, je me rappelle parfait. C'est ça qu'il faut faire normalement. Bizarre. Chouchou, j'arrive avec une vraie voiture. La grand-mère, je vais la faire parler. Sinon, je roule dessus. La grand-mère, elle va parler. Sinon, je te roule dessus. Grand-mère, pas long, je te roule dessus. Ça, t'as peur. Et d'un coup, on parle, hein. Ah bah yes, j'ai dépensé 10 balles pour rien. J'adore ma vie. C'est pas grave, c'est que 10 balles. C'est beaucoup 10 balles. Donc là, je dépense 20 balles. Ah ouais, chaud. Mais qui achète la nourriture pour chat 10 balles aussi? Tu as su que c'est hors de prix, normalement, c'est 3 balles. Donc c'est 10 balles, frère. C'est trop cher. T'as dans le manque de oubli, on est mal payé. Alors si en plus ça, c'est 10 balles... je comprends plus là. Là, c'est ultra mal payé. Tu fais une course là où tu risques ta vie, tu gagnes une 40 balles. Pour une course là où tu risques que ta vie. 40. Allô. Tu sauves une personne de la mort. 60. 60. Tu te as sauvé une personne. 60. Tu fais une livraison de pizza. Livraison quadruple pizza à la mort. 20 balles. Ça, à la limite, c'est le plus compréhensible, mais quand même, 20 balles. C'est cher? Enfin non, c'est pas cher. Mais j'ai mis la nourriture. Je déteste cette madame. J'ai dépensé 10 balles pour rien encore. Madame, je vous donne de la nourriture. Je vais prendre cette nourriture même si ça ne vous sert à rien. Je m'en fiche, vous allez la prendre. Je vais pas faire tous les arbres. Je n'ai rien à faire de son petit chat. Il n'y a pas qu'à le perdre. Et de toute façon, c'est sa faute. C'est la faute du chat. Bah ouais. Moi, je suis team... Si les chats ils font des trucs, c'est de leur faute. Il y a des feuilles qui tombent là. Attends, il fait Spider-Man. Regarde comment il monte. Ah, mais attends, tu vas là. Attends, je te fais tomber. Maintenant, tu vas avoir trop peur parce que tu es trop nul. Voilà. Maintenant, tu arrives là-haut. Là, je te fais descendre, tu comprends pas. Mais je te ramène ça, t'es pas contente. Ah. Je descends.
Voilà, c'est quoi cette date toute moche? Et maintenant? C'était le chat de l'enfer. Crève le chat! Le chat de l'enfer, discret, pas intelligent du tout. En vrai, pas très discret. Hein. Le gars était en train de faire la salsa dans un arbre, là, je voyais toutes les feuilles qui tombaient. Pas du tout discret. Hein. Le chat, pas du tout discret. Très bête. Et très proche du rat. Les gens ils disent que les rats c'est intelligent, mais c'est faux. Les rats ils driftent pour aller sur vous. Après toi tu prends ton gros pied, tu l'écrases et il est mort. Et ça s'appelle de l'intelligence. Ok. Why not? Aide-moi ton costume, pas un costume chat parce que les chats c'est mignon, mais qu'est-ce que c'est débile? Big cat pet. Quoi, j'ai eu un pet? Mais c'est faute de moi, mais je veux pas un pet, je veux une tenue. Donne-moi une tenue. Facile. Ok, mon gars, qu'est-ce que toi? C'est bon, j'ai eu peur. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était le truc de Jelly. J'ai eu extrêmement peur. Maintenant, je retiens, il faut lui parler deux fois. Il faut lui reparler. Quand c'est brillant comme ça, ça veut dire qu'il c'est un artefact, on peut le prendre. Étrange. Strange. Bon, ça, je sais que c'est à la ferme, hein. Y'a pas besoin de le dire 50 fois. Par contre, je sais absolument pas ce que ça donne. Qu'est-ce que ça peut donner? J'enlève une gelée bizarre. Ça me donnait. Mais oui! Ah, mais non. Là, je me suis trompé, désolé. Je te confondis avec un autre truc. Un autre secret qu'on fera dans une prochaine vidéo. J'ai confondu le truc avec l'acide là et Louis là quand il nourrit et il nous donne le truc là, mais ça c'est pas ça. Surtout quand j'avais fait la blague à papa, j'avais débloqué ça discrètement, je l'avais repeint en rouge, j'y croyais que j'étais en sang. Je croyais qu'il y avait vraiment une garde à Wobbly. Je cache du foie mais je m'en fiche. Mais d'où la portière samaritiste? Genre à tous, je défonce des maisons, des trucs, mais des univers, et une petite barrière, paf, ça me retient. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, c'est pas le moment. Ben monsieur, il y a une grosse tache violette. Il va me dire où, je vais lui dire, je sais pas, quelque part. Monsieur, il y a absolument rien. Ça, vous pouvez me l'expliquer peut-être? Pousse-toi, toi. Arrête de faire miou, miou. Taisez-vous, les vaches. Elles vont bien, les deux fermes. Qu'est-ce que tu veux? Ça, pousse-toi, t'as peur. Je n'ai absolument rien. Hein. Toi, dégage. Je te prends, je te kidnappe. Y'a là, Tonchina! Non mais ok, encore une fake news, hein. Y'a rien. C'est ça que j'adore. Avec Wobbly Life. C'est qu'ils disent, ouais, tu fais un truc, t'inquiète, t'auras une récompense. J'y vais, y'a rien. Genre, t'as oublié de prendre la mission. Alors que je l'ai prise, la mission. Et d'accord, là, j'ai cliqué plusieurs fois. Là j'ai vu que c'était un jaune, j'ai vu qu'il fallait cliquer, il voulait pas. Je me suis dit, bah c'est bon, c'est un bug, c'est pas du tout un bug, hein. C'est juste que ce... Ah! Est-ce que ce jeu, bah il est pas bien fait. Pourquoi je suis en train, il va arriver sur moi? Non, c'est bon, il est pas là. Chouchou. Je suis revenu parce que je cliquais et ça marchait pas. C'est bon, là je peux y aller. Tu veux une grosse voiture. Là si ça passe pas, moi pas comprendre.
plaît, dis-moi que ça passe là. Allez. Ah, pour une fois que ça marche. Je crois avoir compris. Et pourquoi il me demande encore une étoile? Mais je vais déjà parler. Je t'ai déjà parlé, toi. Et frère, tu viens de me le dire? Ok, j'ai compris qu'il fallait rentrer dans son van comme ça et c'est bon, il est libéré. Le gars, il a rien compris. Il a dit dans ma kitchen. Là, je suis dans sa kitchen, il n'y a rien dans sa kitchen. Que je prenne quoi, une machine à laver? C'est le seul qu'il y a, c'est une batterie, une télé. Il y a absolument rien dans sa maison, hein. Bah, tout monte, le gars. Ah non, là! Mais il m'avait dit dans sa kitchen! Je peux rien après, moi, s'il me ment. J'arrive à vous aider! Vous avez dit vous asperger, c'est ça? Libérez cette vache, le slime! Ça fait absolument rien. Mais absolument rien! J'ai pas compris là. Ok les gars, j'ai totalement rien compris. Du coup j'ai regardé une vidéo, ça me paraît logique. Hein. Parce que là, je vous jure que là c'est Wobbly Life qui est pas logique. Il faut de l'eau. Genre une petite bouteille d'eau. Alors que moi je lui ai aspergé d'eau, ça a rien fait. Là, il lui faut une petite bouteille d'eau. Alors que moi avant je lui aspergé d'eau, ça marche pas. La logique de Wobbly Life. Attends, j'espère que t'avais soif. Là, tu fous l'eau. Et comme par hasard, bah ça marche pas. Ah! Et là, je vais pouvoir l'asperger. Si je suis la logique. Bon, y a pas trop de logique dans le jeu. Pourquoi y a pas de logique dans le jeu? Oui, ça marche! Tout ça pour ça. Et ce bâton qu'elle dit même pas, elle dit même pas merci. Go go go! Faut aller au parc d'attractions. Il est marqué venez le plus vite que vous pouvez aller. Que va je prendre en 4 cartes? Le plus vite possible, moi j'arrive le plus vite possible. Pousse-toi, j'ai une urgence. Poussez-vous, je dois aller au theme park. Allez, vitesse maximale. Ah, j'ai plus de que la lumière. Chouchou. Je vous t'aime pas. What the heck? Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes recouvert. J'ai rien compris. Rien compris. Rien de rien. Ok, les gars. Alors. Là, j'avoue que j'aurais pas de chauvet. Il fallait monter là, ramener son sac, qui n'est pas là.
Regarde, dans la vidéo, son sac, il est là. Et là, comme par hasard, son sac n'est pas là. Explique-moi la logique, il n'y en a pas. Là, tu vois, je vais les suivre. Après, regarde, là, je vais aller là. Comme ça. Mais bon, oublie, c'est le pire jeu. Voilà, et là, comme par là, il n'y a pas son sac. Dans la vidéo, il est là, son sac. Chercher la logique de Wobbly Life sur 10. Moi, je mettrais... Allez. Je suis gentil. 0,5. Je suis gentil, franchement. Je suis gentil. Ok, les gars. Alors là... Là, c'est pas moi. Là, c'est le jeu qui veut pas. Hein. C'est vraiment... Là, c'est pas moi, les gars. C'est le jeu, les gars. Eux, ils montent exactement comme moi. Et il y a le sac. Moi, je monte exactement comme eux. Il n'y a pas le sac. J'ai fait tout comme eux. Regardez, je fais tout comme eux. Je fais ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tiens, je me balade. Tiens, je vois ça, je vais monter. Et tiens, comme par hasard, il y a le sac, alors qu'avant, il n'était pas là. Bugué ce jeu. Ah, je suis tombé. Allez, les gars, il faut aller en hélicoptère, c'est le seul truc que j'ai compris. Il y a un bandit, il faut sauver le bandit, les gars. Attends, on le voit en plus. Ça, le pire. Les gars, faut sauver un bandit. C'est très bizarre de dire ça. Mais c'est la quête, écoutez. Mais lève-toi! Moi? Ce jeu est tellement long. J'aime bien, hein, mais un peu chiant, quoi. Ah, bah, je trouve un cadeau. Allez, on s'en fout du bandit, moi j'ai juste mon cadeau. Il est là, regardez, il est là. Il est super joli. Je le connais, ce gars. Je le connais. C'est le voisin. Le gars, c'est le voisin, 100%, c'est le voisin. Parce que le voisin, il a une voiture full jelly. En plus, quand tu gagnes, t'as ton costume... C'est où le moche? Ok, c'est bon, je peux enfin retourner au truc de détective. Et l'autre, on le sauve pas. En fait, un super héros ou pas? Parce qu'il a arrêté un vilain. Il a arrêté un vilain, mais d'une manière un peu pas très bien, quoi. Genre, il l'a suspendu. Du coup, c'est un héros ou un anti-héros, le gars? Ben, j'aurais plus dit un héros, mais. Ah, ta tronche. Sa tête, j'aurais plus dit, c'est un anti-héros avec sa tête. Vous savez quoi? Voilà, maintenant vous savez. Regardez. Technique! Voilà. Et là, je suis pas assommé alors que je suis tombé de 500 mètres. S'il te plaît, donne-moi un bon truc là, j'ai passé je sais combien de temps. C'est tout? Ah, j'ai eu peur. C'est quand même pour rien. Et c'est bon là, j'ai enfin fini. Attendez les gars, parce que là, la vidéo, elle va durer 50 milliards d'années. Et c'est cette voiture là qu'on a gagnée. Elle est claquée, voilà, j'ai dit elle est claquée. Tout ça pour une pauvre voiture et une tenue de double. C'est fini. Ah ben on va enfin pouvoir arrêter cette vidéo. Au revoir tout le monde. Et puis bah au revoir tout le monde quoi. Cette vidéo fait moins de 30 minutes. Et ça a failli faire 30 minutes. Vite, faut que je coupe la vidéo avant que ça fasse 30 minutes. Pour me soutenir, vous pouvez lâcher un like. Et surtout, vous pouvez vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'arrive plus à parler. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Et donc, je vais vous lâcher là-dessus. Au revoir tout le monde. Salut!
J'aimerais bien un like et des abonnés sérieux parce que. Parce que là, c'était. Et ça fait 30 minutes d'enfer. Salut tout le monde! C'est censé s'arrêter. Mais pourquoi j'ai toujours des bugs comme ça, moi?